Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Aujourd'hui, je m'adresse à mon président, son excellence, monsieur le président de la République, Fort Swaziland, Nyasibé. Je m'adresse humblement à vous, mais avec indignation. Son excellence, mais je pense que vous vivez sur d'autres planètes. Vous ne vivez pas au Togo. Oui. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Sans vous manquer de respect. Vous savez ce qui se passe au Togo? Ou bien quand vous êtes dans vos grands bureaux, dans vos grandes maisons, dans vos commodités, dans vos mondes, vous oubliez la population. On a soif de la liberté. On a soif du changement. Oui, du vrai changement. Oui, Togo vit au Bénin. Il y a des changements. Ntotomi wa kemileo. Son Excellence, Nia Nintom le fille, je vous ai voté. Mais arrivé à un moment donné, laissez la place aux autres. Hein? Son Excellence, par ce vidéo que je vous ai la TV Mébéna, non, en vidéo à 2000, Olena Mélé à report, problème. Mais arrivé à un moment donné, laissez la place aux autres. Son Excellence, vous changez la constitution pour quoi? On est censé aller aux urnes en 2025. Royaume, on n'est pas. Le Togo n'est pas un royaume. Non. Non. Les Togolais ont soif de la liberté, de la vraie indépendance. C'est de ça qu'on a soif. Son Excellence. On vous retient une personne très intelligente, une personne cultivée, une personne... Mais vous changez la constitution, pourquoi? Le peuple n'a plus le droit, on n'a jamais eu le droit. On n'a jamais eu notre liberté. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on veut aller aux élections, aux urnes. Le peuple, nous, la population, on veut aller aux élections. Pas ce que vous faites là-bas. Vous changez la constitution à votre guise. Yo, pourquoi vous faites ça? Fifia, député, là, non décidé la mienne. Son Excellence. Non, vous abusez. Vous abusez. Son Excellence, vous abusez. Parce que je vais parler. Ni m'y aller à l'aéroport. Ni à l'aéroport. Problème le. Nous sommes venus. Mais les quoi, il y a que je ne viole les doigts. Ni à l'aéroport, ni les doigts, tu vois. Au terme, là, les venons de qui. À l'aéroport, lui, toi. Au là, les venons de qui. Population, il n'y a rien ne marche. J'ai fait presque 3 mois, l'homme. Rien ne marche à l'homme. Seul parti de haut. Où est les vivres nuées. Mais, il y a une population qui est vieux, tu es le papa, le papa de la nation. On y a qui est là. Il y a qui est la population. Yo, nous sommes arrivés à un moment donné. Pour votre bien même, pour votre sécurité même, laissez la place aux autres. Ben allez, 2025, allez. Wow, la constitution qu'on va les changer. Vous avez changé la constitution. Mais toujours moi, mais voyons. Royaume, le Togo n'est pas un royaume. Non. Non. On était considéré aimé de la sous-région une fois. On appelait le Togo la Suisse de l'Afrique. Megberi. La poubelle de l'Afrique. Yo, yo, na Togo. À mon balai vivre, à monter les doux numéros les lumières, à monter les doux numéros, je ne viole la fifi, non viole la wahasi, son excellence, dati, nous kemiléo, mi dati, nous kemiléo, avec tout le respect,
Wami dati nou ke mile ouma. Arrive un moment donné, il faut dire basta, ça suffit, basta. N'y a rien de voter, n'a mis vaille. Mais arrive un moment donné, déguerpi, n'a même pas va. Même de ton parti. Si je vois, ni les trois constitutions, vous les députés, que minani, ben yoya ou élection régionale, royaume n'y a. Mais vous foutez de la gueule des Togolais, arrive un moment donné. Qu'est-ce qui marche au Togo? Vous oubliez la population. Pourquoi vous poussez la population à faire d'autres choses? Togolais non a pacifique. Vous voulez porter ni à bout. Vous pousser ni. Arrêtez ce que vous faites là. 2025, à Mila, il y a élection. Son Excellence, il y a élection. C'est à. Il y a élection. Je n'ai rien contre vous. Moi, admirer Nami. Mais arrivé un moment donné, Mito Nya Olami. Qui n'a pas boycotté à quoi. Bon, à mes le ou à tout cas, il y a une opposition. Quand on a dit qu'il y a un changement de constitution, il y a un changement de constitution, il y a effectivement une opposition. Il y a un changement de constitution. Il y a un changement de constitution. Il y a 89 pata sur 91. On a voté pour. Vous allez. Et Hawa, mais à opposition, les quoi. Vous vous opposez à quoi? Finalement, vous vous opposez à quoi? N'y a pas de parti de Pepe Benico. N'y a pas de parti de Pepe Benico. Mais finalement, vous vous opposez à quoi? À mon député. On ne nous salue pas, je dis, mais il y a un parti. On a voté pour. Bon, voter. Et Gandhi. Ok, misa Togo là, Togo misé. Et là, durant même y'a eu du mévio quoi, de là d'où rend l'obo, au champ hoga, d'où les doigts mais quoi, y'en a quoi. On peint ben moi ouais. Et d'où se le développer, et d'où le avoir, le haut autonomie, souveraineté. Je fais un clin d'œil au Burkina, je fais un clin d'œil au Niger, au Mali. Et à zoom ben moi mes amis là bas. Ben vous, vous avez un banditisme étatique, ben vous, le système est nous. Et les événements du Wassi Bekobe, Togovio Tiasi, pour nous, qui les droits, messieurs, mais là, au coup de Togovio, quoi. Nkéo. Nkéo. Nkéo, me l'a dit, vous recherchez quoi concrètement pour l'épanouissement du Togolais? Concrètement, qu'est-ce que me l'a dit? Les gens oubliaient que la politique a un lien avec l'éthique. Les gens oubliaient que le droit a un lien avec l'éthique. Les gens ont même oublié que tout ce qui n'est pas légal n'est pas forcément légitime, quoi. Ok, oh. Bon, mila yaho me quoi, et dila jomia. Be yove océan. L'histoire va vous demander des comptes, hein. Les gens ont oublié que l'histoire va leur demander des comptes. Les gens ont oublié ça. Les Québécois diront mes poires, mes ouadjoua. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Et là, Rousseau nous a permis de comprendre ça. Mais le plus fort n'est jamais assez fort. Hein? Et que Béami Nyabé, rapport de force à Obé, les Nyaba Padia. Mais les quoi, c'est bien sain, lui aussi, quoi. Parce que c'est vrai qu'Amérique Blonéa, et on est fort seulement pour un moment. Hein. Pour le reste du temps, on deviendra faible. Quoi. Et continuez. Continuez. Quoi. C'est-à-dire que nous, Yanni, et nous, c'est vrai qu'il y a une blessant. Togo vio tiasi. Quoi. Et non. Les gens, drôme, quoi. C'est ça. Misa joa, misa togoa. Nous, on a dit ça, les joueurs, mais il y a un panafricain.
Mi a di sa le djou me be yo le wa médiation. Mi no di sa, mi no we kwa. Oui les gars, si vous vous souvenez très bien, la 4e République, c'est-à-dire quand on avait modifié la Constitution pour la dernière fois, on n'avait pas eu beaucoup de bruit comme ça. Hein? Les gens n'ont pas parlé beaucoup comme ça. Je ne sais pas si je ne me souviens pas bien, mais ou bien c'est parce qu'il n'y avait pas de l'Internet comme aujourd'hui, c'est pourquoi on n'avait pas remarqué ça. Mais cette fois-ci, tout le monde en parle. Bien que les gens ont peur d'être, vous savez non, la réalité du pays. Beaucoup en parlent, ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils dénoncent tous les jours beaucoup de choses, les gars. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Au fait, moi j'étais, par exemple, si moi je vais donner mon point de vue, moi j'étais étonné en voyant tout ce que l'opposition racontait sur les réseaux sociaux. Et à notre grande surprise, lors des votes là, on a dit 89. On votait pour et on a juste une seule voix contre et une autre voix de l'abstention. Donc 89 députés ont voté pour. Et parmi les 89 là, supposons que le parti politique uni, ces députés ont voté pour. Mais les députés d'Uni n'atteignent pas 189. Je pense que ils sont. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 60 quelque chose, soixantaine. Les gars, ça veut dire l'opposition va compléter les chiffres pour aller à 89, les gars. Donc, tout est mélangé dans ce pays. Hein. Tout est mélangé. L'opposition qui criait tout le temps ici. J'ai lu plusieurs publications de l'honorable directement qui dit il a été trahi par ses députés. Vous savez, le parti politique net a 3 députés au niveau de l'Assemblée nationale et l'honorable disait non et ils vont voter non pour cette loi là. Malheureusement, on a vu seulement qu'une voix qui avait dit non. Avait dit les députés du net, un député a voté oui et peut-être c'est le troisième député qui a voté une loi, qui a choisi l'abstention. Vous voyez non? Donc, directement a dit il s'est senti trahi un peu, mais parce que bon, moi j'apprécie directement puisque il s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, il est vraiment proche de la jeunesse et tout. Bon, nous l'apprécions tous, mais beaucoup ont exprimé leur déception vis-à-vis de Lenora parce que tout ce qu'il a dit n'a pas vu ça. On n'a vu seulement qu'une seule voix qui avait dit non et on n'était pas là-bas. Et on suppose que c'est la voix de l'un des députés de Jiritama. Donc à part Jiritama là, ça veut dire les autres opposants, les partis indépendants, et tout là. Ils ont tous voté oui. Et après, ils vont venir nous blaguer que non, sortez, faites ceci, ça ne va pas. Quelle alternance encore? Quelle alternance encore, les gars? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas, les gars? Vous avez dans les commentaires, essayez de m'expliquer un peu, je vais comprendre, les gars. Merci beaucoup et on se capte à la prochaine vidéo, les gars.